Bonjour Mireille Dornano. Je vous propose de revenir sur l'actualité de la grippe aviaire qui menace plus que jamais nos éleveurs et nos céréaliers. Effectivement, dans le contexte de vide sanitaire ordonné par l'État dans plusieurs départements, les producteurs de maïs restent très inquiets. Les cours du maïs, qui est la principale nourriture des oies et canards, risquent de chuter fortement et plus de 100 000 tonnes de celui-ci ne trouveront pas de débouchés. Aussi, l'on estime qu'il faudra 6 mois pour relancer la filière du foie gras dans le sud-ouest de la France. Les producteurs estiment que ces mesures leur coûteront plus de 250 millions d'euros, raison de plus pour que l'État circonscrive avec discernement les zones à risque. Avec l'arrivée de la nouvelle présidence néerlandaise du Conseil, qu'avez-vous demandé au ministre de l'Environnement des Pays-Bas ? Lors de mon intervention en commission, j'ai demandé si la nouvelle présidence comptait soutenir les nouvelles techniques contre la pollution en mer, à l'instar du futur barrage néerlandais utilisant les courants pour capturer les déchets en mer du Nord. Contre toute attente, le ministre hollandais n'a pas souhaité répondre à ma question sur ce sujet crucial, pourtant d'actualité dans son propre pays. De même, mes autres questions ont reçu des réponses floues ou incomplètes. La présidence hollandaise commence mal. Après nous avoir annoncé la fin du virus Ebola en Afrique de l'Ouest, voilà qu'il réapparaît en Sierra Leone. Que penser de ces annonces ? Avant tout, il convient de rester prudent. En effet, le décès d'un malade dû au virus Ebola a été confirmé quelques heures après que l'Organisation mondiale de la santé eut annoncé la fin de l'épidémie en Afrique de l'Ouest. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que cela arrive. En mai et en septembre 2015, le Liberia s'était déclaré 2 fois libre d'Ebola. Rappelons que depuis décembre 2013, l'épidémie d'Ebola a fait plus de 11 000 victimes en Afrique de l'Ouest. En somme, restons vigilants plutôt que de croire aux fausses bonnes nouvelles. Un autre virus tout aussi inquiétant, appelé Zika, est en train d'arriver en Europe. De quoi s'agit-il ? Cette maladie transmise par les moustiques est dite bénigne le plus souvent. Elle provoque des éruptions cutanées et de la fièvre, mais elle peut aussi frapper les fœtus durant la grossesse, engendrant une microcéphalie à la naissance. Avec la multiplication de voyages vers l'Europe, le virus déjà présent en Outre-mer, mais également en Espagne, en Suisse et au Royaume-Uni, pourrait arriver en France métropolitaine. D'où la nécessité d'anticiper cela dès aujourd'hui et prévoir des contrôles des passagers en provenance des zones concernées. Il s'agit d'un sujet de santé publique préoccupant. En tant qu'élu de la circonscription sud-est, le sort de la Méditerranée vous touche particulièrement. On dit que celle-ci serait menacée dans un avenir proche ? Oui, la Méditerranée ne couvre que 1% des océans mondiaux, mais elle abrite jusqu'à 20% des espèces marines connues. Dans le même temps, ces réserves pétrolières représentent presque 5% des réserves mondiales. La production pétrolière en Méditerranée est en passe de progresser de près de 60% entre 2010 et 2020. Quant à la production gazière, elle pourrait être multipliée par 5 d'ici 2030. De même, le transport maritime devrait doubler d'ici là et les arrivées de touristes internationaux atteindre la barre des 500 millions. Il est clair que cette effervescence risque de bouleverser les écosystèmes. L'Union européenne, qui s'est fixé pour objectif un retour au bon état écologique des eaux marines européennes avant 2020, devrait prendre ce sujet au sérieux. Quoi qu'il en soit, vous pouvez compter sur moi pour y veiller. Toujours concernant les océans, le forum de Davos révèle qu'en 2050, l'on comptera autant de plastique que de poissons dans les mers du globe. Il s'agit d'une étude réalisée en partenariat avec la navigatrice Hélène MacArthur. Selon ce rapport, le ratio entre la quantité de plastique et de poissons était en 2014 de 1 pour 5. Mais les deux quantités s'égaliseront en 2050. À quoi cela est-il dû ? À l'usage unique des sacs plastiques, dont 95% de la valeur est perdue chaque année, soit environ 100 milliards de dollars par an. Il est plus que temps de réagir en soutenant de véritables filières de recyclage et de réutilisation de ces matériaux plastiques avant qu'il ne soit trop tard. En Allemagne, les énergies renouvelables ont battu des records. Mais que cachent donc ces chiffres en trompe-l'œil ? Depuis l'accident nucléaire de Fukushima au Japon,
l'Allemagne a interrompu presque du jour au lendemain le fonctionnement de ses centrales nucléaires. En 2014, les énergies dites vertes ont alimenté 30% de la production électrique. Mais au même moment, le charbon a contribué à plus de 40% de la même production. Ainsi, sans mesures nouvelles pour le climat, nos voisins allemands n'atteindront pas leur objectif de réduction de 40% des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2020 par rapport à 1990. Parlons, si vous le voulez bien, des abeilles, plus que jamais menacées. Le gouvernement français a-t-il pris toute la mesure de la situation ? Le ministre de l'Agriculture français a répété le 18 janvier dernier qu'il ne souhaitait pas interdire les néonicotinoïdes. Selon lui, les agriculteurs n'ont pas d'alternative pour remplacer ces pesticides. Or, les colonies d'abeilles enregistrent en France des mortalités très importantes d'une année sur l'autre, qui peuvent faire disparaître 50% d'entre elles. Monsieur Le Foll croit peut-être que les agriculteurs auront beaucoup d'alternatives lorsque les colonies auront disparu et que la pollinisation sera rendue impossible. Sans parler de la toxicité des pesticides pour la santé des agriculteurs eux-mêmes. Soyons sérieux, cessons de plier devant les lobbies et sauvons ce qui peut encore l'être, nos abeilles et nos agriculteurs, en leur proposant des alternatives salutaires. Enfin, un mot sur les migrants alors que le froid s'abat sur toute l'Europe. N'est-ce pas là une conséquence de l'immigration incontrôlée ? Bien évidemment. Après les dizaines de milliers de noyades en Méditerranée, voilà la mort par le froid qui guette les clandestins disséminés dans toute l'Europe. Voilà où mènent les politiques migratoires irresponsables de l'Union européenne et de nos prétendues élites. Voilà où mène leur prétendu humanisme, source de tous les maux que nous connaissons. Et je ne parle pas des agressions sexuelles et viols commis en Allemagne, que les femmes auront du mal à classer parmi les effets positifs de l'immigration. Bien sûr, tout cela ne serait pas arrivé si, comme l'Australie ou d'autres pays, nous fixions en matière d'immigration des règles strictes et les appliquions. Enfin, je condamne avec la plus grande fermeté l'intrusion des migrants sur un ferry à Calais et le blocage du port qui a eu lieu. J'apporte tout mon soutien aux Calaisiens et aux forces de l'ordre qui font preuve d'un remarquable sang-froid sur ce terrain difficile. Merci Mireille Dornano.